la petite irrigation. C'est tellement chaud, jusqu'à peu près temps si c'est grave. Il n'y a que dans les débuts. Tu vas manger, je te dis. Alors le chinois. On est en train de manger. Moi aussi. Il fait tellement chaud. Je suggère qu'on reste ici. On peut s'asseoir ici dehors. Le vent là nous touche. Et tu sais, les chaises qui étaient là depuis qu'on a remis à la voisine, là, comme il avait eu des plus à ici, même pas les récupérer. Non, c'est pas grave. Je suis en train de se faire. Ça ne dérange pas. Les chaises, tu n'es pas fâché. Moi, je suis pas fâché. Non, c'est moi-même qui suggère cela. C'est maintenant ici que tu te caches. C'est ici que tu te caches. Après combien de temps que tu es ici? Je ne sais pas. Hein. Tu ne sais pas comment. Comment tu as dit que tu pars? Donc, dans tes souvenirs, tu vas souvent dire que tu es allé en mariage en train d'aller. Comment? Ça fait combien de temps? Bon, je sais que ça fait peut-être comme 8 mois, je ne sais pas. Si tu étais déjà ici avant? Non. Je crois bien que c'est dans les 7 mois déjà que je suis. Ah, et lui, tu le connais depuis combien de temps? Je suis déjà à 7 mois. Ouais. À 23. Non, on se connaît depuis un an. D'accord. Mal. Et ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien. Il me garde bien. Et le moment que le Seigneur est sur tes larmes, tu as tellement souffert en amour si dehors que les gars t'ont malmené de gauche à droite. Ça n'a pas été facile, j'espère que celui-ci sera là. Oui, quand je vois vraiment, c'est quelqu'un de... Donc, il ne me donne pas les mots de tête. On a même posé. Et il m'a dit qu'il allait aller voir la famille. Se présenter ou bien prendre la liste parce que voilà. Se présenter et faire ce qu'il a lieu de faire. Quoi? Il va prendre la liste. Tu ignores quoi? Maman, c'est bien, ça va vite. Avec c'est un bon gars, tu vas bien le garder. Mais c'est ma chance là-bas. Garde le bien. Le jas, la chance de même pas deux fois dans la vie. On ne blague pas avec le jas. Parce que tu le connais, après tu vas commencer encore tes fouilles là. Tu veux déjà quoi aller voir ce qu'il y a dehors là. Non, là, n'est pas comme tu penses, c'est ce que tu as vu. Tu as la vue de toutes les couleurs là dehors. Les hommes ne sont pas ce qu'ils prétendent être. On a souffert ensemble ici, le genre que. Non, ça va aller. Le Seigneur sait exaucer ses enfants. Donc, il a écouté ta prière cette fois-ci. Moi, je ne peux que te souhaiter du bonheur, que ça perdure, que ça aille loin. Amen. Voilà, que vous puissiez finir vos vies ensemble. En tout cas, c'est comment il est beau. Il est beau. Où tu me vois? Non, ça c'est que depuis, je ne travaille pas bien. Tu as changé même. Tu sais que c'est sur toi qu'on reconnaît la valeur et la puissance de ton gars. Mm-hmm. Ça se voit. Est-ce que c'est toi qui vas nous dire? C'est nous-mêmes qui constatons. Moi, je vois qu'il répond. C'est bon. Et c'est comment il est sorti ou bien? Non, il est même là-dedans. Mais présente-moi, non. Ok, tu as peur que ma mère ton gars. Ok, comment ça? Ok, alors, comment tu as des idées comme ça? Présente-moi, là, mon beau. Chérie! Bébé! Oui! Viens un peu, s'il te plaît. Mon amour. Oui. C'est quoi? C'est comment? Salut madame. Salut. C'est quoi? Ça va. Depuis là, tu faisais quoi là-bas dedans? Tu m'as laissé en train de lire. Non? Après, il fallait consigner ma lecture là-bas dans l'ordinateur. Donc c'est ça. Mais j'ai fini. J'ai pratiquement fini. Ça va. Okay. Je me reposais déjà quand même. Ça va. C'est comment? Okay. C'est ma copine Crystal qui voulait te saluer. Ah ok, Crystal. Mm-hmm. Ok, Robe Crystal. Okay. Enchantée. Enchantée aussi, soyez la bienvenue chez vous. Merci. Elle m'a tellement parlé de vous, mais positivement. Elle a parlé de moi. Oui, tu vois ta vie. Sens. Donc quand je ne suis pas là, tu me vantes. Mais quand je suis à côté de toi, tu dis comment je suis inutile, comment. Et... J'aime alors trop ça. Mais ça, j'ai toujours dit. J'ai toujours dit que tu me vantes ailleurs, mais c'est quand nous sommes deux là que tu fais ça. Dans tous les cas, soyez la bienvenue, madame. Merci. Moi, c'est Robe Brisier, comme je vous ai dit. Et voilà. Au fait, en passant, je ne sais pas, Canel, tu as vu Canel? Et puis là? Ah oui. Je crois bien que quand on venait ensemble là, oui. Je l'ai laissé dehors là, à côté du portail.
Portail. Mm-hmm. Ça veut dire juste là, à côté où il est placé là. Mm-hmm. D'accord, il n'y a pas de problème. Je sais que vous avez bien gardé mon amie. Vous savez, elle a beaucoup souffert à la mort et il ne faudrait pas que vous venez encore ajouter pour vous. Ne lui brisez pas le cœur, s'il vous plaît. En tous les cas, on va se garder, on va bien se garder. Mm-hmm. Mm-hmm. Vous êtes très belle, hein, passée. Merci. Merci. Prenez vraiment soin de mon amie, elle mérite d'être aimée. Moi aussi, non. Bon, je vous connais pas encore, mais elle, je la connais très bien. C'est une bon, ce n'est pas un problème, je suis avec elle et je l'ai choisie. Je pense que ça ira, il n'y a pas d'ennui à cela. D'accord. Bon, j'essaye de voir mon petit frère là. Elle va vous recevoir. Et vous allez nous excuser. Il y avait eu, la voisine a eu un petit souci. Non, ça va, ça va. Et puis, c'est moi qui ai demandé qu'on reste ici pour le vent. Ça ne me dérange pas. Ok. Bon, au plaisir alors de se revoir très vite. Mm-hmm. On se reverra sans doute. D'accord. Bon, chérie, je vois Canelle rapidement. Ok, d'accord. Tu as fait pour le tout. Le gars est d'abord galant, ma soeur. C'est le romantisme que tu veux voir. Non, je te souhaite que je suis fière de toi. Merci. Et je suis fière pour toi. Merci. Vivement que la main de Dieu vous accompagne, qu'il éloigne de vous les jaloux, les fausses copines qui peuvent venir briser ton mariage. Sois sage, parce que le gars là, il est décent. Mon petit, tu es placé ici depuis. Oui, je suis depuis là. Moi, je te cherchais là-dedans. Je voulais te commissionner quelque part. C'est ta belle-sœur qui vient de me dire que tu es placé ici. Je dis, elle est passée ici avec une femme. Tu les as vues ensemble. Oui, les ai vues passer là. Une fille brune comme ça avec les tatouages. Oh. Oui, oui. Mon petit. Tu sais que c'est mon goût, non? Ton goût, comment rester là? Oui, arrête-moi un peu ça. Tu ignores que grâce à toi, j'ai déjà validé deux des copines de Stella. Ah. Tu es mon 10, je t'ai toujours dit ça. C'est pour ça que je me précipite même de venir te voir comme ça. Tu sais, le jeu que tu joues toujours là, non? Oui, je vois. Le même jeu là, je te jure, dès qu'elle sort là, fais le même jeu. Mais grand, tu sais que tu me dois encore 10 000, non? La dernière fois, j'ai tout fait comme ça, tu as dit que tu vas me donner. 10 000, mais... c'est quoi dans mon argent? Toi-même, tu sais que quand j'ai de l'argent, tu ne souffres pas, non? Donc reste tranquille, dès que j'obtiens ce que je veux chez elle, je vais prendre ça, je vais rapidement, bref, je vais te dire. Tu comprends? Ok. Oui. Donc tu fais le même boulot que tu fais souvent là, dès que tu la passes, ça réussit. Je vais me voir. Je suis que tu vas réussir là, voilà. Attends. De toute façon, j'ai vu la fille là passer ici avec les tatouages, tu connais ça, là-bas c'est les filles. Ça c'est quoi? Ok. Oh. Ça c'est quoi à l'oreille? Moi-même, je suis d'abord un sugar daddy, tu le sais. Est-ce qu'il y a un souci? Je t'ai déjà dit, la femme ne refuse pas l'homme. C'est la manière avec laquelle tu vas vers la femme qui fait en sorte que la femme t'accepte ou qu'elle te refuse. Tu comprends ça? La femme, c'est la tactique, la stratégie. Et moi, je suis un stratège, un tacticien. Donc, t'inquiète, tout repose okay, maintenant d'accord. entre tes mains. Dieu fait you. Pensez-y. D'accord. C'est bon? Ok, c'est bon. D'accord. Man, quand on fait ça au gros cœur. Ok. Moi quoi dedans? Moi, je travaille seulement mon argent. Ça cuit ou ça cuit. Tu sais que moi, je n'ai pas besoin de côtoyer quelqu'un plusieurs fois. Je trouve qu'il est cultivé, il est très poli. Voilà. Donc, Marco, je voulais quand même arriver où tu es. Tu sais que je t'ai promis que je vais arriver, mais j'ai d'autres marches là. Moi aussi j'ai un rendez-vous. On sait jamais, peut-être que c'est aussi mon jour de chance. Donc, si tu peux me raccompagner. Ne dis pas que je n'ai pas tué. Je suis vraiment heureuse. D'accord. Je suis vraiment très bien. Heureuse. Non, ça s'oublie sur ton visage. Les joues gonflées, le teint a rehaussé, un peu d'éclat là. Non, c'est bien, te regarde bien. Non, si tu peux me raccompagner, je reviendrai. C'était juste pour voir. Tu es sûre que tu vas revenir? Mais revenir, non. Pour que tu arrives d'abord ici aujourd'hui, il a fallu qu'on se querelle d'abord au téléphone. C'est le temps. Quel temps? Yes. Maintenant que je sais où tu es. J'ai oublié que tu as fait d'abord une femme d'affaires. Alors. Eh bien, merci pour la visite. Madame,
Alors, une minute. Salut. Ah, désolé, tu déranges là. C'est le grand qui m'a envoyé. Vous êtes qui d'abord? Je suis le petit frère de Rob, le fiancé de Stella. Et vous envoyez faire quoi? Bon, et il dit que bon, il voulait un peu de nouveau pour que. Bon, attends, ce n'est pas n'importe, ce n'est pas ce que tu crois. Pardon, attends. Qu'est-ce que le fiancé de ma copine peut bien vouloir faire avec mon numéro? Bon, il dit pour mon numéro, pour faire quoi? Bon, il dit que comme il a souvent les petits, pour aimer la rester là. Donc, il voulait un peu ton numéro déjà pour te demander un peu ce que si Stella c'est une bonne fille ou pas. Non. Moi, je ne sais pas déjà prendre le numéro des maris, des gens, surtout les maris de mes copines. Il veut venir me questionner au sujet de Stella, comment à lui de découvrir qui est Stella, mais qu'il apprenne à la connaître. Non, c'est ça, mais il veut. Bon, tu sais que comme tu es proche d'elle, d'après ce que Stella veut. Il veut connaître Stella ou il veut résoudre un problème. Parce que là, moi, ça, je ne comprends pas. Parce que si c'est pour me questionner au sujet de ma copine, quel est son comportement, moi, je n'ai rien à dire. Moi, je ne malparle pas de la vie de mes amis. Donc, dis-moi, il veut mon numéro pour quoi réellement? Bon, la vérité est qu'il a un peu des petits soucis là pour que tu peux même rester là et il veut tout voir si tu peux un peu régler ça. Mais bon, il fallait me dire ça. Que de venir me dire, parce que la façon que tu m'as parlé de ça là, moi ça sonnait un jet dans mes oreilles parce que moi je ne fais pas dans la saleté. Il n'y a pas de problème quand tu lui donnes. Mais vraiment, il aurait dû prendre mon numéro quand il m'a vu là, devant sa copine. Pourquoi attendre de venir prendre mon numéro par derrière? C'est louche. Ok. Cristal. Hein? D'accord. C'est bon. Quand tu parles déjà là, est-ce qu'on a déjà posé? C'est quoi, c'est comment? Depuis qu'on cause là, qu'est-ce que tu me dis même de penser là? Ah, dis donc. Mais donne-moi l'argent, non? Tu parles, tu ne me donnes pas l'argent de cotisation, comment? Tu n'as que de la cotiser aujourd'hui. Est-ce que tu sais que je n'aime pas quand la femme est querelleuse? Je te l'ai déjà dit. Pourquoi tu ne me comprends pas? Il y a quoi? L'argent, tu me demandes l'argent. J'ai l'argent. Hein? Tu me demandes quel argent je te dois? Ce n'est pas hier que tu as touché ton salaire. Pourquoi tu es comme ça? Parce que comme ça, madame travaille déjà avec moi au point où tu sais quand je touche et quand je ne touche pas. C'est ça? Ce sont tes amis qui m'ont dit. Hey, attends un peu, Stella, tu viens de dire quoi? Tu causes avec mes amis pour ce qui concerne mon salaire? Ouais, c'est Rob, donne-moi l'argent. Je t'ai posé la question. Vous avez comme. Ça a débuté par où? Pour que tu te retrouves en train de parler de l'affaire de salaire avec mes amis, vos cousins, aussi profondément? Nous sommes croisés en route. Et quand vous êtes croisés? C'est là qu'ils t'ont demandé. Ils ont demandé et vous avez fait comment pour arriver sur les salaires? Mais j'ai demandé non, j'ai demandé si vous avez déjà touché, il m'a dit oui. Preuve que tu doutes de moi, c'est ça non? Tu as l'air dubitatif, donc quand moi je te dis quelque chose, tu ne crois pas ce que je te dis, tu t'en vas toutefois te renseigner auprès de mes amis, c'est ça? Ils vont commencer à te donner de l'argent et à prendre soin de toi. Est-ce que depuis là tu me donnes encore d'avoir ton argent? Mais c'est quoi? Je t'ai dit que je n'ai pas touché. Je n'ai pas encore touché. S'ils t'ont dit qu'ils ont touché, ils savent comment ils ont fait. Quant à moi, je n'ai pas encore pris un peldième. Et je fais alors comment maintenant? Mais tu attends. Moi, je fais comment? Je fais comment je suis là? J'attends. Non, va donc à mon lieu de service. Comme tu travailles souvent là-bas avec moi, tu y vas, on te remet le salaire. Je n'ai pas d'argent, c'est tout. Et je m'en vais ou je m'en vais. Et je n'aime pas quand je quitte la maison avec les éclats de voix. Parce que là dehors, je ne sais pas ce que je vais vivre à cause de toi. Faut m'arrêter ça. C'est toujours comme ça que tu es. Ouais, c'est toujours comme ça que tu es. Quand tu me cherches les problèmes là, c'est toujours comme ça que tu es, Rob. Canel! Canel, oh! Oui, tu vois ce que ton frère fait, là? Fais quoi? Ça fait combien de jours dans la maison s'il ne me rationne pas? J'ai cotisation aujourd'hui, je fais comment? Alors que hier, il a touché son argent. Est-ce que c'est normal? Il t'a dit qu'il avait l'argent. Ou bien, comment tu as su? Que toi, tu vas même l'avoir dit quoi? Ça, c'est ton frère. Je demande non. Est-ce que mon monsieur reconnaît vos choses? Est-ce que mon reconnaît s'il a l'argent ou pas? Je verrai ce qu'on va manger aujourd'hui. J'ai oublié que tu as un domaine. Tu vas aller te chercher dans les rues. Je me pose la question maintenant, ça devient mon problème.
C'est toi qui connais les marches de ton frère. Tu connais ce que ton frère fait ici dehors. Non, c'est à ce niveau. Ok, pourquoi moi te mets ça là? C'est à ce niveau. Mieux de toi, tu prends les devants de ton frère. En tout cas, on verra si ce n'est pas moi. Non, vraiment, je m'excuse encore. Je m'excuse si j'ai insisté à te voir aujourd'hui ou alors à te revoir parce que je t'avais vu la première fois avec ta copine. Mais mon petit m'a quand même dit que ce n'était pas facile pour toi de me remettre le nom. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai été très surprise de voir que tu as envoyé ton petit frère récupérer mon numéro. Tu aurais pu le faire en présence de ma copine. Si tu dis que c'était pour régler les problèmes de votre couple, je ne vois pas le mal. Bon, je te comprends parfaitement, et tu as sans doute raison, mais en toute honnêteté, est-ce que toi-même, tu n'as donc pas réfléchi à Grant pour comprendre que ce n'était pas pour régler un problème? Ce n'était pas pour ça, non, ce n'était pas pour ça. Moi, comment je vais venir te parler des problèmes qui concernent Stella et moi, là. Ce n'était pas pour ça. En fait, moi, j'aime aller droit au but. C'était pourquoi? Le truc est que quand j'étais sorti là, franchement, tu m'as pas. Ta beauté ne m'avait pas. Comment dire? Ta beauté m'avait beaucoup impressionné en fait. C'est ça. Et c'est la raison pour laquelle je tenais à te revoir, pour te dire. Je sais, tu me diras, tu es la copine de ma femme, tu es, mais tout au moins te faire savoir que tu me plais beaucoup. Physiquement, honnêtement. Les tatouages au corps et tout. Tu es une fille, tu es une gangsta, comme on dit. Et j'aime ça, les piercings. C'est mon genre de femme. J'ai commencé à faire que ta copine fasse ça, mais elle me déçoit un peu parce que, voilà, elle résiste encore un peu, quoi. Donc, j'aimerais avoir une relation avec toi. Bon, même si je suis avec ta copine de l'autre côté. Tu m'as bien regardé. C'est quoi le souci? Non, je demande si tu m'as bien regardé. Mais c'est parce que j'aime bien mieux te regarder que je m'intéresse à toi. Et je ressemble au genre de filles qui couchent avec les hommes de leur copine. Oh là là. C'est le reflet que j'ai. C'est pas ce que je dis. Sauf que je ne suis pas n'importe quel mari de quelle copine. J'ai quel genre? Je fais partie de cette espèce d'homme-là qui savent prendre soin de la femme. Et je puis t'avouer que, comme tu es là, je ne peux pas ne pas prendre soin de toi, je ne peux pas ne pas te rendre heureuse ou quoi que ce soit. Tu vois, c'est comme ça. Donc, tu penses que je parlais ici de l'argent ou de quoi que ce soit. Donc, je ne couche pas avec les hommes de mes copines. Je ne suis pas ce genre de fille, je ne trahis pas mes amis. Bon, je te comprends parfaitement. Et tu ne m'intéresses pas? Je n'ai pas dit ça. Tout a un début. Hein? Je sais, tu as ta façon, tu as peut-être tes goûts et tout. Mais ce qui est sûr, c'est à moi de t'amener à t'intéresser, c'est tout. C'est décevant. Hein? J'avais tellement apprécié ta personne l'autre jour. J'ai dit à ma copine que tu me sembles être civilisée, tu es éduquée, tu me sembles être intelligente, mais je me rends compte que c'est vraiment le concret de tout ce que tu laisses transparaître. Comment tu prends le courage? Tu ne t'en vas même pas chercher le mot pour tromper ma copine. Tu veux la tromper avec moi. Écoute, quand tu parles, tu dis c'est décevant. C'est décevant? Ça ne devrait même pas être décevant. Tu devrais plutôt en être fier. Et pourquoi? Sois fier du fait que je m'intéresse à toi. Je ne suis pas allé fouiller ailleurs et tout. C'est venu me trouver sur place. Dans tous les cas, écoute Cristal, je ne sais même pas. Je regrette d'avoir accepté cette rencontre parce que je me suis dit qu'on allait parler ici de mon ami, mais je me rends compte que tu avais tes plans et moi je ne participe pas à l'immédiat. Ok, tu me promets tout au moins de réfléchir à ma proposition, c'est tout. Je saurais prendre soin de toi, ça je te dis. Je n'ai pas besoin de réfléchir, je sais ce que je veux. Je ne veux pas d'une relation avec toi. Vous les hommes mariés, vous êtes bizarres. Donc, tu veux venir t'engager avec moi, tu veux me promettre si elle était, alors que tu seras toujours avec ma copine. Tu ne vas pas la quitter pour moi, mais tu veux cricher avec moi. Je ne criche pas. Moi, je ne suis pas le genre qui grignote. Quand je mange, tout le monde doit savoir que c'est moi qui mange ça. Tu ne me donnes pas
tu me rabaisses. Tu ne m'accordes pas une petite chance. Seul voir tout au moins sur le temps pour toi d'aller réfléchir sur ma proposition et tout. On ne sait jamais, je ne suis pas marié à ta copine. C'est juste, nous sommes là encore et je suis même encore en train de l'étudier, c'est tout. Ma copine a des sentiments pour toi. Voilà. Je n'aimerais pas être celle qui viendra la blesser. Écoute. Je ne veux pas être la cause de ses souffrances. Tu imagines que toi et moi on se met en couple et après tu ne veux plus d'elle ou on se met à grignoter. Parce que couple c'est trop dit. On se met à grignoter et tu te rends compte que c'est plus elle que tu veux et moi. Écoute, Cristal, pour te montrer ma bonne foi, n'est-ce pas? Que je veux vraiment être avec toi, s'il te plaît. Tiens ça. C'est pour quoi faire? Tiens, c'est un cadeau pour toi. Je veux être avec toi. Tiens ça, c'est juste pour payer ton personnel. Et je peux te donner ça même fois 10, fois 100, fois 1000 même. Je peux te donner ça, tu mérites ça. Ok? C'est bien. Et promets-moi quand même de réfléchir à ma proposition. Tu me promets? Je veux. D'accord, sans souci alors. Dans tous les cas, on vit dedans le truc et tout. Tu disais que tu habites de quel côté? C'est pas important pour le moment. Ok, dans tous les cas, tu as mon numéro de téléphone, c'est par ça que je t'ai appelé, donc tu verras comment on peut se... si on peut se revoir, si tu peux m'accorder une chance, je serai à ton écoute. Mais sache que tu me plais vraiment, tu me plais beaucoup. Donc, je vais donc devoir partir, c'est vrai que ça va paraître peut-être irrespectueux, mais non. Je préfère te laisser seul, que tu essayes un peu de... cogiter sur ce que je te disais. Donc, je vais te laisser. Si jamais il te vient à l'esprit de me revoir, fais-le moi savoir. Et plus loin aussi, si tu as un problème, n'hésite pas de m'en parler. N'hésite pas de me faire part. Je serai là désormais. Je vais porter tes problèmes avec moi. D'accord? Je comprends. Ok, bon. Au plaisir alors, Christophe. Plaisir. S'intéresse à moi, il me donne 50 000. On verra bien. C'est comment, Estelle? Depuis que tu es là, tu ne parles pas. Tu me dis, mais c'est quoi le problème? Mon problème, c'est moi. Mon gars a changé depuis la dernière fois que tu étais à la maison. Je ne sais pas ce qui se passe. Il ne rassonne même plus. C'est pour ça que tu as eu une défendement comme tu as. Tu te rends compte que je devais cotiser hier. Le gars, il a l'argent. Mais il refuse de me donner. Moi-même, je fais comment? Voilà maintenant, depuis hier, là, je n'ai même pas mangé. Même 25, je n'ai même pas sonné. Ton gars que j'ai vu dernièrement, c'est de lui qu'on parle. Le gars là, il ne me donnait pas cette impression. Il m'avait l'air gentil. Quand tu viens me dire des choses comme ça, là, ça me surprend. Et tu dis depuis mon passage. C'est quoi? Tu lui as fait quelque chose? Vous avez un problème? Parce que ça peut faire qu'il est fâché contre toi et c'est pour ça qu'il se comporte comme ça. Est-ce que subitement, sans aucun problème, il a commencé à réagir ça? Et c'est pourquoi il ne dort plus à la maison? Mais, ah bon? Attends. Tu es sérieuse? Il ne dort pas à la maison. Hé! Hey. Donc il sort la nuit même. Il sort le matin, il revient seulement le lendemain. Depuis hier qu'il est sorti. Toi-même, tu vois, il est quelle heure? Il se dit que tu vis comment? C'est quoi ce comportement, ça?
Attends, tu le soupçonnes de voir une autre. Il n'est plus romantique, comme je t'avais dit que non. Il me fait des petites pinettes. Donc, rien, il ne me parle même plus du mariage, rien. Apparemment, je le soupçonne. Attends. Tu le soupçonnes d'avoir une relation dehors? Oui. Tu as déjà vu des échanges dans son téléphone où tu as supprimé des appels? En fait, je n'ai pas encore pris son téléphone pour contrôler, mais je soupçonne mon gars. Bon, est-ce que tu as même d'abord accès à son téléphone? Tu as les mots de passe? Rien. Mais attends, t'es là, comment tu partages la vie de quelqu'un? Tu dis que c'est ton gars et il dit que non, c'est toi la titulaire. Et tu n'as pas son mot de passe. Ça veut dire qu'il y a mensonge quelque part. Il te ment. Parce que je suis sûre qu'il m'aime plus le tien, n'est-ce pas? Hein? Ah. Donc pour toi, il a accès. Mais pour lui, tu n'as pas le choix de toucher. Non. Il y a un guise sous roche. Il y a un guise sous roche, vraiment. C'est. Tu devrais te questionner. Ça veut dire qu'il n'est pas clair. De sur quoi même son petit frère aussi n'est pas clair. Les deux sont en train de me jouer. Ils me jouent comme ça, comme une balle. Merci. Oh, c'est décevant. Ils me déçoivent. Ils m'avaient pourtant reflété une très bonne image. Mais là, pourquoi les hommes sont comme ça? Les hommes sont tous les mêmes. Vraiment. On ne sait même pas lequel est le bon. Ou qu'elle se comporte bien. Tu vois quelqu'un qui t'a l'air d'être un ange, mais plus tard, tu te rends compte qu'il est même assis à la droite de Satan. Pas plus tard qu'hier, j'ai rencontré deux de ses collègues en route. Ils m'ont dit qu'on les a payés. Mais mon mari me dit que lui n'a pas encore touché. Il fait quoi avec l'argent? Il le mange avec qui? Moi, je t'ai toujours dit que tu es un peu trop nonchalante. C'est pour ça que certaines choses t'arrivent dans cette vie. Tu n'es pas regardante. Et tu négliges en fait beaucoup de choses. Elle dit, tu vois quelque chose, mais tu refuses d'accepter que c'est la réalité. Et c'est pour ça qu'on te trimballe un peu de partout. Alors, moi, je ne suis pas fière. Je n'aimerais pas te voir souffrir à nouveau encore dans une relation. Je t'ai dit ça. Tu as déjà tellement essuyé là dehors que tu mérites tout ce qu'il y a de beau et de bien. Oh. Et tu veux que depuis hier, tu n'as pas mangé, je suppose que c'est parce que tu n'as pas l'argent. C'est bon, pourquoi je suis venue ici là, si tu peux me couper un prêt de 2000 pour aller me faire la sauce d'arachide avec le boulot. Est-ce que 2000 pourrait bien te faire? Tu connais l'état actuel de mon marché. Tu sais comment les choses sont devenues très chères. Le palais de la ménagère a vraiment grimpé. Le marché est devenu, tu as fait quoi? En tout cas, moi, j'ai un peu d'argent dans mon téléphone. Je vais retirer pour te donner un salaire. Je ne suis pas fait un truc à manger. Moi, vraiment, quand ça commence comme ça, il ne faut même pas que tu restes longtemps là. Tu ne dois pas durer parce que là, ce sont des signes qui ne trompent pas. Et tu vas fermer les yeux dessus pour plus tard te retrouver dans un truc de si j'avais su. Quand ça commence comme ça, là, il faut couper les ponts rapidement. Moi, je veux plutôt voir souffrir. Il te dit que mon mari ne veut même plus me satisfaire, même à la chambre, comme je te dis là. Là, c'est déjà grave. Et très grave. Mais... on y va. Il veut faire le retrait. Tu vas souffrir comme ça, là, toutes les fois, c'est comment? C'est la malchance. On t'a souvent vendu. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est joli? Merci. Ah, il appelle ça mon petit paradis. Mais franchement, c'est, ça mérite le nom. C'est tellement beau par ici. Merci beaucoup. Wow. Et tu vis ici seule? Oui. Wow. Je n'ai pas encore d'homme dans ma vie. En tout cas, on sera désormais ensemble. On sera désormais ensemble. Aïe! Non, franchement, c'est joli. C'est
Bon, c'est aussi, c'est à ton image. Hein? Voilà, on va pas rester debout. Je ok, je te suis alors. Allons-y. C'est bon, non? Wow, c'est vraiment beau. Hein? C'est beau par ici. Ça alors? Ah, oh là là. Bienvenue une fois de plus. Oui, ça va, merci. Merci. Franchement, ça me donne envie de venir rester ici tout le temps, hein, et d'accélérer même les choses pour véritablement être avec toi, franchement. Sinon. Accélérer les choses. Ah oui, accélérer les choses. Non. De quelle façon, je ne comprends pas. Mais comment tu n'as pas une famille? Est-ce que tu vas quitter Stella pour moi? Je veux dire, pourquoi tu es toujours là, on est calme. Toi, tu t'assois toujours pour me parler d'une inutile. Stella, c'est qui dans ma vie? Non, franchement, mais plus... Comment se faire sourire un jour? Attends, laisse tomber. Moi, je me dis juste que Stella servait de pont entre toi et moi. C'est tout. Tu sais, parfois, on rencontre des gens pareils, alors que Dieu a établi que non, c'est derrière Stella que je devais rencontrer mon vrai bonheur qui est toi. Et aujourd'hui, tu vois, moi, je suis très heureux. Très heureux. Stella, c'est qui? Mais tu es heureux alors qu'on n'a même pas encore entamé une vraie relation, moi je te comprends. Non, mais quand tu dis on n'a pas entamé une vraie relation, quand même, le simple fait déjà de m'inviter chez toi, ça voudrait dire ici que ta réflexion avance, ça progresse, non, c'est ça? Ça peut être juste de la sympathie. Non, attends, ne me dis pas ça, attends. Moi, je suis là pour être avec toi. Je ne pense pas t'avoir répondu. Pourquoi est-ce que tu détermines que c'est... D'accord, ce n'est pas un problème, je continue d'être patient. Il n'y a pas d'ennui. Et plus loin, je voulais te dire de ne plus jamais me parler de Stella quand on sera ensemble. Mais pourquoi? Tu me parles d'une fille. Est-ce que tu connais même ta copine? Une fille qui ne se lave pas, une fille qui passe en par semaine et peut se laver une ou deux fois. Une ou deux fois, comme je te dis là, si elle s'est trop lavée, les dents alors elle ne pose jamais. C'est comme ça que sa bouche dégage. Attends, quand tu es à côté de Stella, il faut un peu te rapprocher d'elle. Tu es seulement obligé de poser les questions en mettant la main comme ça. Tu regardes là, tu reviens et tout. C'est une fille sale. C'est parce que c'est dessous alors. Hein. Je n'ai jamais vu une fille comme ça. Tous les dessous sont troués. Tu te demandes même que ce sont ces grosses fesses-là qui percent ses caleçons. Tu ne comprends pas. Ah. Elle t'a quand même fait sentir bonjour. Ouais, écoute un peu, chérie. Je pense que tu as déjà eu du plaisir à s'écouter. Écoute, je suis venu ici pour être avec toi. Non. Mais attends. Celle-là, ce n'est pas le moment de parler. En fait, tu sais, moi, je juge souvent les gens. C'est ce que tu me donnes qui fait en sorte que je dise qui tu es. Parce que quand tu parles aujourd'hui de Stella comme ça, ça veut dire que demain ou après-demain, tu parleras de moi ainsi. Oh avec là là, ma reine, mon impératrice. Hein? Mais regarde-toi, regarde, regarde. Mais tu es majestueuse, tu es prestigieuse. Regarde-toi, regarde. Tu ressembles à quoi? S'il y avait les billets de peut-être 5 000 $, si tu vois un billet de 5 000 $, les billets de 5 000 €, regarde-toi, regarde-toi. Et regarde celle-là. C'est le jour et la nuit. Celle-là, quand tu la regardes, j'ai déjà tout fait, acheté tous les laits pour qu'elle puisse même seulement mettre de l'éclat sur sa peau. Non, elle ne fout rien. Tu vas, elle ne connaît même pas les milliers et tout. Une grosse villageoise. Elle passe le temps seulement là à péter à la maison, manger, péter. Ah. Dans tous les cas, moi, la dernière fois, je t'avais dit, si tu as les besoins, tu m'en parles. Là aussi, je me suis dit, bon, je reviens quand même vers toi avec quelque chose. Parce que, voilà, déjà, quand je vois une maison comme celle-ci, c'est une grande maison. Donc, je sais une chose, je sais qu'ici, là, tu es en location. Tout à fait. Voilà, tu la payes à combien? 150. C'est combien de chambres? 300. Et tu vis ici seule, avec 3 chambres et tout? Oui, j'ai prévu les 2 autres pour les invités, les étrangers. Et nos futurs enfants. Si les gens viennent... Nos futurs enfants. Donc voilà, ça veut dire que ici déjà, tu sais d'abord que chaque mois, je vais soit régler le loyer d'ici, t'inquiète. Ça, c'est 100 000 francs. Voilà ça. Tu vois, tu auras ça par semaine comme ça, là. Tu as ça. Voilà 100 000. T'es pété. Tu vas aussi essayer de me rédiger une liste de tes petits besoins mensuels, à savoir combien je pourrais dépenser comme argent de couche, tes produits de beauté, voilà, les vêtements, tes coiffures et tout. Toutes ces choses-là, et puis l'argent aussi des parents, on ne l'oublie pas. Je suis un gentleman. Ça se voit, non? Ça se voit que tu es un gars qui s'entretenait la femme. Tu as tout compris, c'est comme ça. Ça se voit, ça m'intéresse. C'est la preuve, la preuve. Même ta copine, moi je la rends heureuse.
mais elle ne veut pas se valoriser. Elle est toujours là en train de vivre comme une pauvre petite orpheline et tout. Elle ne sait pas. Elle n'a pas de valeur. Tu avais fait comment alors pour être avec elle? Bon, on supporte parfois en attendant de voir. C'est faute de mieux. Et là, maintenant que le mieux est arrivé, elle ne sert à rien. Ok, permets-moi d'abord d'aller ranger mon argent et puis je vais te servir quelque chose à manger comme à boire. Du bon chivas, ça me ferait plaisir. Et j'essaie d'imaginer ce que tu peux cuisiner. À quoi peut ressembler ta cuisine, hein? Je vais appeler ça, comme tu es belle, tu es prestigieuse et tout, je vais seulement dire les délices des cristaux. Papa, on peut flatter l'enfant de quelqu'un comme ça. Ok, c'est très joli. Je comprends pourquoi ma copine était tombée. De très belles cuisses. Tellement flatteur. Mm-hmm. En tout cas, je reviens. D'accord, ma vie. Stella. Ah, je vais te montrer que c'est moi le pape. Ah, voilà, non. Elle est déjà dans mes vapes. Quoi que quoi. Tu es là à la maison, je veux l'argent. Qui te donne l'argent? Par rapport à quoi? Ok. Tu me sers alors, je prends quelque chose rapidement. C'est vrai que j'ai même déjà un creux. J'ai vraiment faim, je suis là. Je mange rapidement et après, si je peux me reposer aussi, on ne sait jamais. Hein? Bon, même si je me repose par tes côtés, hein, je fais comme ça. Pourquoi vous les hommes, vous êtes comme ça? Pardon? Pourquoi vous êtes cruel comme ça? J'ai tué qui? Oh, oui. Ça c'est même pire qu'une mort. Même si tu ne veux plus d'une femme, c'est de cette façon que tu dois parler d'elle, un peu de partout. Ton problème, c'est quoi? Attends, non. Ça va. Non, bah, attends. Par exemple, ici, combien de fois je serai sans toi aussi quand tu ne voudras plus de moi. Même si tu n'aimes plus une femme, je dis, la moindre des choses, c'est de ne pas salir et ternir son image. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne fais que dire la vérité. Le problème est à quel point? Mais cette vérité-là, garde-la pour toi. Tu n'as pas besoin de propager ça. C'est pas normal, moi ça me déçoit. Donc que je dise des mensonges à la place de la vérité, que je vois que c'est rose, je dis que c'est bleu. Pourquoi la dénigrer aujourd'hui? Parce que ce n'est pas comme ça, parce que... Non, tu la dénigres. Mais parce qu'elle est comme ça. Une assiette dans laquelle tu as mangé aujourd'hui n'est plus une assiette pour toi. C'est pour ça que je suis venu ici, c'est pour parler d'elle. On a fini de parler d'elle, c'est bon. Elle n'en vaut pas la peine, on est là pour parler de nous. Ah, dis donc. Ceci dit, lorsqu'on a entretenu une relation avec une personne et que plus tard, les sentiments ne sont plus réciproques, on se sépare dans la paix, sans saboter, sans salir, ternir l'image de l'autre. Ça va, on oublie tout ça. Oublions ça, ça va. Ce comportement, c'est vraiment pas loyal. Une personne qui t'a fait à manger, qui a pu te faire sourire un jour, qui a pu te rendre heureux un seul instant, aujourd'hui est devenue pour toi la pire des personnes. Le regret de ta vie. Tout simplement parce que toi, tu veux être avec moi aujourd'hui. Il faudrait que tu la descendes comme ça. Mais j'ai rencontré ma côte. C'est ça ma véritable moitié. Et même si tu as rencontré ta côte, tu dois salir celle-là. Ça te donne quoi? Ça va, oublions tout le ça. Le profil, bon, c'est lequel? Faisons comme si je ne t'ai jamais rien dit concernant ta copine. Je t'ai parlé d'elle parce que tu la connais. Si tu ne la connaissais pas, je n'allais pas te parler d'elle. En tout cas, ne te fâche pas. J'ai prévu une belle surprise. Mais viens donc me servir du chivas. Tu aimes les surprises? J'aime. Si tu as mis du cristal comme ton nom, tu me sers ça. D'accord. Je te reviens vite. D'accord, mon bébé. Un vrai trésor. Celle qui est à la maison, là, je vais la dégager très vite. D'abord, on va vivre ici. C'est un bel appartement. La maison, là, je vais libérer ça. On vit ici, on fait nos enfants ici. La sorcière, là, je la dégage. Très belle maison. Surprise! Tu fais quoi ici? Elle fait quoi ici? C'est la surprise que je t'ai réservée. Attends, Cristal, elle fait quoi ici? Qu'est-ce qu'elle est venue? Ça veut dire que tu l'as enfermée à l'intérieur ici. Elle nous attendait. Elle est venue faire Stella. Tu fais quoi ici? J'ai tenu à ce qu'elle... Tu as fini les travaux à la maison? Je voulais qu'elle vienne vivre elle-même.
qu'elle vienne entendre ce que tu dis sur elle. Tu as vraiment cru que moi je pouvais coucher avec toi? Je t'ai dit dès le premier jour que tu m'as évité que moi je ne sors pas les hommes de mes copines. Tu as cru que tu pouvais me berner, me tromper avec l'argent comme j'avais faim là et j'avais soif. N'est-ce pas? Voilà, voilà dans l'homme que tu vantais. Pourquoi tu es la bouche bée? Voilà l'homme que tu vantais partout. Ya! Yeah! Tu as fini les travaux à la maison. Ya! Yeah! Oh, c'est pas que tu me déçois comme ça. Rob, pourquoi tu me déçois à ce niveau? Tu peux appeler un enfant d'autrui. À cause d'une femme, tu me salis. Tu salis mon nom partout. Comment tes caleçons se percent? Comment mes caleçons sont percés? Comment je ne me lave pas? Comment je me pose pas les dents, Rob? Oh mon Dieu! Parce qu'il veut coucher avec une nouvelle femme. Tu n'as pas honte, papa. Il faut sortir les petits. Laisse-moi, tu m'as dit que tu n'avais pas l'argent. Et tu m'as dit que tu n'avais pas l'argent, vrai ou faux? Oui, j'en ai. J'en ai. Oh là là. Ben, c'est 100 000 qu'il m'a remis. Et j'ai, pardon. J'ai ajouté à cela 50 000 qu'il m'avait donné la première fois qu'il m'a invité. Je t'avais donné 5 000. Je remets mon argent. Donc, j'ai là 145 000. Donne-moi. Je suis là, on ne mange même pas à la maison. Il m'a abandonné, je ne sais plus combien de jours il a fait dehors. Remets-moi mon argent. C'est ton argent. Tu as fait ce que tu as fait, remets-moi. Je vais lui donner cet argent. Pourquoi? Elle mérite par rapport à toi. Parce que tu la maltraites. Tu dis à ta femme que tu n'as pas l'argent. Regarde comment j'ai maigri. Elle ne mange pas. Mais tu sors l'argent pour donner à une autre femme. Pour plaire à une autre. Pour te faire bien voir. Tu n'as pas honte. C'est un chiffon. C'est comme ça qu'il me sabote dehors. Comme j'ai tout entendu. Comme il est venu te saboter. J'ai tout compris. C'est ça. Ça veut dire que c'est ce que tu as l'habitude de faire. Ne pleure pas, il ne mérite pas tes larmes. Tu avais besoin de faire dans ça. Si tu n'avais pas besoin de moi, pourquoi prendre mon argent? Je suis une copine. Pourquoi organiser une rencontre pareille? Je suis une copine. Rose, je te mens à Dieu. Passe là-bas, on va à la maison. Elle ne va pas avec toi. Pourquoi? Je suis une amie loyale, je ne trompe pas mes amis. Allons à la maison. Elle ne va nulle part, tu ne peux pas. Je suis venue ici avec toi. C'est toi qui m'as fait des si. Non, à la maison. Donc tu restes ici? Oui. Elle reste ici, fait quoi? Elle reste chez son ami. Si tu l'as pas, mon argent, fait quoi? Entre vous, ma fille. Je te donne, papa, te plaît où tu veux, tu m'as donné l'argent. Qui a vu? D'ailleurs, je ne veux plus vivre avec toi. C'était bon comme ça. Quoi? Je ne vis plus avec toi. Et des choses, tout ce qu'il y a là-bas, tu ne vis plus avec moi, ça veut dire quoi? Tu vas envoyer ma famille. Ma famille va aller chercher les déchets que tu m'avais acheté là-haut. Je n'ai plus besoin de ça. Tu es fier de toi? Très fier de moi. Tu vois ce que tu as fait? J'ai pu démasquer la personne que tu es. Je suis fière de moi. Je te jure, l'argent là, tu vas payer le prix de cet argent. Je ne paierai rien. Ça, je te le dis. Tu vas payer toi, le prix de cela. Je te dis, comme je sors là, tu me suis. Elle ne te suit pas. Tu me suis. Suis pas. Elle ne te suit pas. Tant que tu te passes encore seulement 5 minutes derrière moi. Tu vas me faire quoi? Tu vas voir. Irresponsable que tu sois. Incapable de nourrir ta femme et tes enfants. Ça va, ça tu va. Passes le temps à partager la chance de rendre pas ton homme. Je suis un imbécile. Tu vois, une fois de plus, encore les hommes tombent dessus. Je ne sais même pas si tu vas en rêver. Laisse, pardon, prends. Peut-être que ça va t'aider à faire même un commerce. Merci. Tu vas aller faire un commerce en attendant.